Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abdé Risquet, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, un scandale en Bohême. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'enquête de Sherlock Holmes que nous vous avons présentée il y a 15 jours, le ruban moucheté, si nous en jugeons par le courrier que nous avons reçu, semble avoir été particulièrement appréciée d'un grand nombre d'entre vous. C'était en effet une des plus célèbres aventures du héros de Sir Arthur Conan Doyle. En 1910, à Londres, elle fit même l'objet d'une adaptation théâtrale qui remporta un grand succès à l'Adelphi Theatre avant d'être reprise ensuite au Globe Theatre. Pour les premières représentations, on avait utilisé au dernier acte un véritable serpent, non venimeux bien entendu. Il s'avéra cependant au bout de peu de temps que la mise en scène était beaucoup plus pratique et d'un effet plus saisissant encore sur le public en substituant à l'animal vivant un faux serpent si astucieusement fabriqué et manœuvré par des fils invisibles qu'il pouvait ramper avec un affreux réalisme. À la scène finale, Sherlock Holmes et Watson entraient dans la chambre du docteur Rylott. On entendait d'abord leurs pas dans le couloir, puis Holmes ouvrait la porte toute grande et envoyait un faisceau de lumière jaune à travers la scène obscure. Dans ce rayon apparaissait le docteur Rylott, énorme, tordu, parfaitement vraisemblable, le serpent s'enroulait autour de sa tête et de son cou. Il paraît que jamais pièce de théâtre n'avait suscité pareille intensité d'émotion. L'enquête que va vous conter ce soir le docteur Watson est moins tragique, mais elle comporte un déploiement tout particulier d'ingéniosité de la part de Sherlock Holmes, qui rencontre cette fois un adversaire à sa taille et qui va faire appel pour lui faire échec à un de ses talents bien connus, celui de se grimer et de se transformer en personnage cocasse et des plus inattendus. Docteur Watson, à vous la parole. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Si vous aviez connu Sherlock Holmes en 1888, vous auriez sûrement dit « il est tombé amoureux d'Irène Adler ». Mais moi, qui le connaissais bien, je vous aurais répondu « non ». Son esprit lucide et froid répugne à toute émotion en général et à celle de l'amour en particulier. Il n'aime pas plus Irène Adler que n'importe quelle autre femme. Certes, il apprécie son exceptionnelle beauté et son intelligence qui est des plus vives. Disons même qu'elle est devenue pour lui la femme avec un F majuscule. Mais cela ne va pas plus loin. Et si vous me demandez pourquoi, ce jour-là, comme à tant d'autres occasions, il s'est gardé de l'amour, je vous répondrai, c'est très simple, Sherlock Holmes était un logicien professionnel et il ne voulait pas qu'une passion, quelle qu'elle fût, vint troubler la rectitude de ses raisonnements et de ses déductions. Voici maintenant dans quelles conditions Sherlock Holmes fit la connaissance d'Irène Adler. Un soir de mars 1888, je revenais de visiter mes malades et j'étais à peine entré dans le salon de notre appartement commun de Baker Street que mon ami me tendit une lettre. Ah, Watson, lisez cela. Dites-moi ce que vous en pensez. Les renseignements sur vous nous sont de différentes sources venues. Ayez l'obligeance d'être chez vous ce soir à 8h moins le quart. Une dame vous rendra visite à cette heure-là. Elle désire vous consulter sur une affaire de la plus haute importance. Aucune signature ? Voilà qui est pour le moins mystérieux. Hein ? À votre avis, de quoi s'agit-il ? Bâtir une théorie avant d'avoir des données sérieuses serait une erreur, Watson. Car insensiblement, on se met à torturer les faits pour qu'ils collent avec la théorie, alors que ce sont les théories qui doivent coller avec les faits. Mais de la lettre elle-même, que déduisez-vous ? J'en déduis que son auteur est sans doute assez fortuné car le papier est d'une rare qualité. Oui. Il doit coûter au moins une demi-couronne la boîte. Très bien. Et il n'a pas été fabriqué en Angleterre. Regardez-le en transparence. Que voyez-vous ? Je vois un E majuscule avec un petit G, un P majuscule et un grand G avec un petit T. Ce qui signifie ? Bon, c'est le nom du fabricant ou plutôt son monogramme. Pas du tout. Allons bon. Le G avec le petit T signifie Gesellschaft.
En allemand, cela veut dire compagnie. P signifie naturellement papier. Quant à EG, tenez, voici l'informateur continental. Ouvrez-le si vous le voulez bien. Et cherchez à EG. Voyons, Eglo, Eglonitz. Vous arrivez à Egria, n'est-ce pas? Lisez, je vous prie. Egria, Bohème, lieu célèbre où Wallenstein trouva la mort, nombreuses verreries et papeteries. Ce papier a été fabriqué en Bohème, nous sommes bien d'accord là-dessus. Oui. Et à quoi voyez-vous de façon certaine que l'auteur de cette lettre est allemand? Ah, ben ça... Ben, mon cher, à la construction même de la première phrase. Les renseignements sur vous nous sont de différentes sources venues. Le participe à la fin. Ni un Français ni un Russe ne l'aurait écrite de cette façon. Ce ne peut être qu'un Allemand. Vous êtes admirable. Ah, laissez, je vais ouvrir. C'est sûrement la mystérieuse dame. Monsieur Sherlock Holmes. Oui, madame. C'est moi qui vous ai écrit. Si vous voulez bien entrer. Mon ami le docteur Watson. Madame. Asseyez-vous, madame. C'est à vous seul que je veux parler, monsieur Holmes. Le docteur Watson est mon collaborateur et vous pouvez lui accorder la même confiance qu'à moi. N'en doute pas. Mais ce que j'ai à vous dire est si confidentiel... Que vous l'exposerez à nous deux, madame, ou à personne. Sachez, monsieur Holmes, que l'on ne m'a jamais rien imposé. À moi non plus, madame. Avec cette différence, monsieur, que j'ai été reine et que mon fils est roi. Je suppose donc, madame, que si vous avez condescendu à venir jusqu'à moi, c'est pour une raison particulièrement grave. Veuillez donc sans plus attendre l'exposer au docteur Watson, en même temps qu'à moi-même. Mon fils, messieurs, est William Dornstein, roi de Bohème. Et c'est à son sujet que j'ai recours à vous. Je vous demande le secret le plus absolu. Car la moindre indiscrétion pourrait déchaîner un scandale qui compromettrait un heureux avenir pour notre royaume. Vos secrets sont les nôtres, madame. Nous vous écoutons. Comme vous le savez, mon fils est monté sur le trône il y a 4 ans, à la mort de son père. Il a aujourd'hui 28 ans, et il y a quelques années, au cours d'un séjour à Varsovie, il a fait la connaissance d'une cantatrice, une certaine Irène Adler. Hein, je la connais de nom. En ce moment, elle habite Londres, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pourquoi j'ai entrepris ce voyage. Mon fils, messieurs, se laissait prendre au charme très réel de cette belle personne, mais depuis quelque temps déjà, il a cessé avec elle toute relation, car il va se fiancer avec Clotilde de Saxe-Meiningen, la seconde fille du roi de Scandinavie. À beaucoup de points de vue, cette alliance peut être profitable au royaume de Bohême. Mais, par malheur, Mademoiselle Adler est toujours très amoureuse de mon fils. Et elle veut l'empêcher de se marier. Comment le pourrait-elle? En envoyant à la princesse Clotilde une photographie. Qui représente? Irène Adler dans les bras du roi de Bohême. Vous n'ignorez pas le rigorisme de la cour de Scandinavie. Cette photographie suffirait à rompre tout projet de mariage. Il faut donc la récupérer. Mon fils l'a demandé à Mademoiselle Adler. Elle a refusé de la lui rendre. En a-t-il offert un bon prix? Ce n'est pas une question d'argent. Il n'y a plus qu'une solution. La lui voler. Nous avons essayé 5 fois. 2 fois, des cambrioleurs payés par mon fils ont fouillé en vain sa maison. Une autre fois, ses bagages ont été volés pendant qu'elle voyageait. 2 fois enfin, de véritables embuscades lui furent tendues. Aucun résultat. Êtes-vous certaine qu'actuellement cette photographie n'est pas déjà entre les mains de la princesse? Non. Mademoiselle Adler a déclaré qu'elle l'enverrait le jour où les fiançailles seraient publiées. Or, elles seront rendues publiques lundi prochain. Nous avons donc encore 3 jours devant nous. C'est peut-être suffisant. En tout cas, il n'y a pas un instant à perdre. Voici une bourse, monsieur Holmes. Elle contient 300 livres sterling en or et 700 billets. Si ce n'est pas assez, ayez la bonté de me le dire. Gardez cette bourse, madame, et attendez au moins le résultat de mes efforts, si vous le voulez bien. C'est après que nous parlerons de la question financière, jamais avant. Je suis descendu à l'hôtel Langham, monsieur Holmes. Et quelle est l'adresse actuelle de mademoiselle Adler? Brownie Lodge, Serpentine Avenue. Parfait. Un dernier point, quel est le format de la photographie en question? Grand format d'album. Grand format? Ah, bravo. Il est impossible, mademoiselle Adler, de la porter sur elle. Je veux espérer que ce détail facilitera ma tâche. Je le souhaite.
Que Dieu vous aide, monsieur Holmes. Quand la reine nous quitta, il était 8 heures du soir. Sherlock Holmes s'étendit alors sur le canapé et ferma les yeux. Son long corps mince et raide, ressemblant à une momie. J'aurais aimé lui poser différentes questions au sujet de cette Irène Adler, mais j'y renonçais car lorsqu'elles réfléchissent, les momies ne répondent pas et ça me vexe. J'allais m'enfermer dans ma chambre et 10 minutes plus tard, ce fut lui qui frappa à ma porte. Il avait un journal à la main. Vite, Watson, sortez votre habit et votre cravate blanche, nous allons en soirée. Hein? Et où ça? Au Winter Hall. Je viens de lire qu'il y a un grand gala présidé par la reine au profit des grands blessés d'Afghanistan. Irène Adler y chantera du Verdi. Je sens que ce soir, je vais adorer Verdi. Mais enfin, il est trop tard. C'est commencé depuis longtemps. Elle passe à la fin du programme. Il n'y aura plus de place. Alors, on va pas nous laisser entrer. Avec ma garde de police, je vous garantis bien que si. Ce damné garçon avait réponse à tout. Et 3 heures plus tard, à la fin d'un programme éblouissant, nous assistions au triomphe de la très belle Irène Adler. Quel corps admirable. Un morceau de roi. Malheureusement, l'amour est enfant de bohème. Comment peut-on avoir le courage de laisser pour compte une telle amoureuse? Et faire pleurer d'aussi beaux yeux. Allons dans la coulisse l'admirer de plus près. Excusez-moi, Holmes, mais je ne vous avais jamais vu si enthousiaste. Ah, je cachais peut-être mon jeu. Allons, venez. Oui, oui. La foule se pressait pour féliciter la cantatrice, qui était entourée de nombreux journalistes. Je vis Sherlock Holmes jouait des coudes pour arriver derrière elle. Soudain, il étendit son bras. Je crus qu'il voulait la toucher, mais ce ne fut que pour frapper l'épaule d'un grand garçon au visage éclaboussé de taches de rousseur. Hello, Charlie. Hello, chère vieille chose. Je suis content de vous voir. Je vous présente le docteur Watson. Docteur? Watson, je vous présente Charlie Mackenzie du Daily Telegraph. L'homme pour qui les célébrités n'ont pas de secret. Et c'est en outre la plus mauvaise langue du monde. Vous me flattez? Regardez-moi cette pauvre Irène, ma parole, ils vont l'étouffer. Mais laissez-la entrer dans sa loge, que diable! Dites-moi, qui est ce grand gentleman qui va faire le coup de poing pour la protéger? Son chevalier servant. Ah, comment s'appelle-t-il? Mais c'est Godfrey Morton. L'avocat? Eh oui. Et entre eux deux, c'est le grand amour? On parle même sérieusement de mariage. J'ignorais. Mais il n'y a que moi qui le sais, je ne le dis qu'à vous. Oh, blagueur. Et parole, parce que vous savez garder les secrets. Ils vont se marier dans l'incognito le plus strict, mais moi je serai là, tout seul, avec mon appareil photo derrière une colonne de l'église. Et quand mes confrères verront ça dans mon canard, il y a de belles jaunisses en perspective. Sacré Charlie, mais des tuyaux pareils, comment les avez-vous? Ah voilà, je connais mon métier. Mais surtout, Mathus, hein. Oh, soyez tranquille. Moi, vous savez les artistes pour ce que je veux en faire. Et ce sera quand, ce mariage? Ah, ben, je ne sais pas encore. Alors, au revoir, Charlie. Ravi d'avoir bavardé avec vous. Bonsoir, vieux. Bonsoir, docteur. J'aurais été bien étonné que ce gaillard qui fourre son nez partout n'ait pas appris quelque chose d'utile. Je vous avoue d'ailleurs que c'est beaucoup pour lui que je suis venu ce soir. J'étais sûr de le rencontrer. Mais dites-moi, puisqu'Irène Adler songe à se marier, c'est qu'elle n'aime plus le roi. Elle se marie peut-être par dépit. Mais elle sera certainement moins irréductible pour rendre la photo. Ah, vous connaissez mal les jeunes, mon cher. Si elle a décidé de se venger du roi qui l'a abandonné, ce n'est pas parce qu'elle se marie qu'elle y renoncera. Et qui est cet avocat qu'elle va épouser? Je ne l'avais jamais vu, mais j'ai souvent entendu parler de lui. C'est un grand avocat d'affaires. Il plaide pour un grand nombre de sociétés internationales. Il doit gagner beaucoup d'argent. Je le pense, oui. Et c'est préférable, car Mademoiselle Adler doit avoir bon appétit. Le lendemain matin, je fus réveillé en sursaut par une cloche agitée dans le salon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Professeur, couteau, ciseaux, repasseur. Ah, ça m'inquiète, vous, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous bien... Oh, c'est vous, Holmes. Ah, écoutez, ça, je ne vous aurais jamais reconnu sous déguisement. Et j'ai assez l'air d'un rémouleur. Mais avec ces grosses moustaches, vous êtes méconnaissable. C'est ce qu'il faut. Et ce costume. Oh, écoutez, je dois dire qu'il est d'une vérité. Mais où allez-vous comme ça? Je vais d'abord prendre mon matériel chez Bobby. Ah, et qui est Bobby? Un repasseur de couteaux. Il me loue à la journée sa voiture à bras équipée avec une meule qu'on fait tourner avec les pieds. Ça m'amuse beaucoup. Vous savez repasser des couteaux, vous? J'ai pris des leçons et je dois dire que parmi mes nombreux déguisements, j'ai un faible particulier pour celui de rémouleur. Oui, les petites bonnes ont des tas de choses à vous raconter et je les fais parler sur ce qui m'intéresse. Et quand elles s'en vont avec leurs ciseaux repassés, non seulement j'en ai tiré tous les renseignements que je voulais, mais en plus... Elles m'ont donné de l'argent. Merveilleux. Je vais m'installer à proximité de la maison d'Irène Adler et y passer toute la journée. À ce soir. À ce soir, mon brave. Et bonne chance. Je me payais le luxe d'aller dans l'après-midi jusqu'à Serpentine Avenue pour voir Sherlock Holmes exercer le métier de rémouleur. Puis je m'approchais doucement derrière lui... Il était en train de repasser un énorme couteau de cuisine. Dites-moi, mon brave, pourriez-vous m'aiguiser ce petit canif? Désolé, mon brave monsieur, mais aujourd'hui, je travaille dans le grand format. Alors, il faudra que ce soit moi qui repasse. Oh, monsieur est un petit affûté. Sur ces calembours qui attestaient de notre excellente santé, je m'éloignais sous le regard rieur de mon ami et passais devant l'hôtel particulier d'Irène Adler. C'était un bijou d'architecture, construit directement sur la rue avec... un beau jardin derrière. Il y avait deux étages et je remarquais au rez-de-chaussée un grand salon luxueusement meublé avec de longues fenêtres descendant jusqu'au plancher. Détail qui, par la suite, eut beaucoup d'importance. Puis, j'allais visiter mes malades et le soir, je retrouvais mon rémouleur à la maison. Alors, Holmes, avez-vous vu quelque chose d'intéressant aujourd'hui? J'ai eu l'honneur de repasser les ciseaux à ongles de la belle Irène Adler. Heureux coquin. Et sa camériste m'a appris que sa maîtresse rentrait de promenade tous les soirs à 6 heures afin de se reposer avant le dîner. Ah. Enfin, Godfrey Norton est venu la voir avec un magnifique bouquet de roses rouges. Et puis? C'est tout. En reportant un couteau de poche que m'avait donné à aiguiser le cocher de la maison... J'ai eu le loisir d'examiner la propriété sur ces quatre faces, puisque les écuries sont au fond du jardin. Maintenant, je connais parfaitement la disposition des lieux. Moi, avez-vous acquis une idée quelconque sur l'emplacement éventuel de la fameuse photographie? Aucune, mais je mûris doucement un plan dont je vous parlerai sous peu. Le lendemain matin, Sherlock Holmes partit de bonne heure pour jouer encore les rémouleurs non loin de l'hôtel particulier d'Irène Adler. Mais cette fois... Il revint à midi, tout excité. Ah, Watson, vous ne devinerez jamais à quoi était employée ma fin de matinée. Dites vite. Vers 11 heures, Godfrey Norton est arrivé en voiture, son cheval au galop et freinant des quatre fers. Il saute à terre, tire violemment le cordon de sonnette et s'engouffre dans la maison. Je m'en vais flâner par là et je l'aperçois dans le salon parlant avec animation et agitant les bras. Puis le voilà qui ressort et qui jette au cocher... À l'église Sainte-Monique, vite! Cinq minutes se passent et je vois sortir venant des écuries un joli petit landau. À peine s'est-il arrêté devant la grande porte que la belle Irène Adler saute dedans en criant « À l'église Sainte-Monique, vite yeah, !» hey. Il n'y avait pas un instant à perdre. Un cab passait, je saute dedans et crie au cocher « À l'église Sainte-Monique, vite !» La voiture d'Irène Adler filait comme le vent, et nous avions du mal à la suivre.
Pour moi, il n'y avait aucun doute. Elle allait se marier. Mais pourquoi une telle précipitation? Quand mon cab s'arrêta devant l'église, Irène était déjà entrée. À la porte attendaient sa voiture et celle de Norton, les chevaux fumants. À mon tour, je pénétrai dans le saint lieu. Il était complètement vide. Seul devant un autel latéral, un prêtre en surplis discutait véhémentement avec Irène et l'avocat qui semblait se désespérer. Mais enfin, mon père, toutes les formalités ont été accomplies. Je sais, mon enfant, je sais. N'empêche qu'il me faut un témoin. Songez, mon père, que mon train est à midi. Nous régulariserons à mon retour. Tout ça est si brusque. Impossible. Mais puisqu'il s'agit d'un voyage d'affaires subite dont vous ne pouvez pas vous dispenser, allez vite et mais mariez-vous après. Je m'en vais pour 3 semaines. Et je veux partir mariée, n'est-ce pas, Irène? Vous avez raison, Godefroy. Mon père, je suis retenue par un concert ici demain soir et tout de suite après, je pourrai rejoindre mon mari en Europe. Il faut que nous soyons mariés dès aujourd'hui. Alors trouvez-moi un témoin. Celui que vous voudrez, ça m'est égal. C'est alors que Norton m'aperçut. Il se précipita sur moi. Dites-moi, mon brave. Voulez-vous nous servir de témoin? Il y a une pièce d'or pour vous. Ah, ben moi je veux bien. Pourquoi pas? Merci. Approchez-vous. Bonjour mon père, mademoiselle. Êtes-vous prêt à témoigner du mariage de ces 2 fiancés que je vais unir? Je veux bien. Alors parfait. Agenouillez-vous devant moi, mes enfants. Godfrey Norton, voulez-vous prendre pour épouse Irène Adler, ici présente? Oui, je le veux. Irène Adler, voulez-vous prendre pour épouse Godfrey Norton, ici présent? Oui, je le veux. Je vous déclare tous les deux unis par les liens du mariage selon la loi de Jésus-Christ. Allez, mes chers enfants, et soyez heureux. Amen. Là-dessus, j'ai signé sur un registre. Vous n'avez pas mis votre vrai nom, j'espère. C'est vous, j'ai signé Watson. Oh, quelle toupet. J'ai touché une pièce d'or, nous partagerons. Dites-moi plutôt ce qui s'est passé ensuite. On m'a beaucoup remercié et les jeunes mariés sont partis en voiture jusqu'à la gare où Norton devait prendre son train. Je les ai suivis de loin, les adieux ont été émouvants et Irène est rentrée chez elle, où elle va probablement préparer ses valises, puisqu'après demain matin, elle rejoint son époux. Il faut donc à tout prix... Je récupère la photographie avant son départ. Oui, mais comment? J'aurai besoin de votre collaboration, Watson. D'accord. De quoi s'agit-il? Est-ce que cela vous gênerait beaucoup de violer la loi? Moi? Oh, pas le moins du monde. Mais vous risquez peut-être d'être arrêté. Bon, si la cause est bonne. Alors voici. Irène Adler va rentrer de sa promenade quotidienne ce soir à 6h. Il fera presque nuit. Trouvez-vous près de sa porte... Et surtout, quoi qu'il arrive, n'intervenez en aucune façon. Tout se terminera par mon transfert dans l'hôtel de la belle cantatrice. Votre transfert? Ne posez pas de questions et écoutez-moi. Une fois que je serai entré, regardez bien les fenêtres du salon. 4 ou 5 minutes plus tard, quelqu'un ouvrira l'une d'elles. À ce moment-là, la nuit étant complète, vous vous approcherez de la fenêtre et vous me surveillerez. Car vous pourrez parfaitement me voir. Et alors? Alors? Quand je lèverai la main, comme ceci, vous lancerez dans le salon cet objet et vous crierez au feu. Une bombe? Ben vous êtes fou! Une bombe, oui, mais une simple bombe fumigène et inoffensive. Elle fera beaucoup de fumée grâce à laquelle vous filerez et moi aussi. Nous nous retrouverons au bout de l'avenue, compris? Oui. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas à intervenir. Je m'approche seulement des fenêtres du salon et à votre signal, par celle qui sera ouverte, je jette cette bombe fumigène. En criant au feu? Très important, indispensable. Et on se retrouve au bout de l'avenue. C'est bien ça? Parfait. Non. Maintenant, permettez-moi de me retirer, il faut que je me prépare pour le nouveau rôle que je vais jouer. Il disparut dans la chambre et un quart d'heure plus tard... Il reparaissait sous l'aspect d'un clergyman souriant et simplet. Son grand chapeau noir, son simple pantalon, sa cravate blanche... L'attitude et le regard naïf derrière les fines lunettes, jusqu'à la façon de tenir le livre de prière, tout était d'un grand comédien. Il n'avait pas seulement changé de costume, il avait aussi changé d'âme.
Quel merveilleux acteur. Au théâtre, quel succès n'aurait-il pas remporté? Il prit congé de moi avec une onction authentiquement sacerdotale et, comme convenu, je me trouvais à 6 heures près de la porte de l'hôtel particulier d'Irène Adler. Dans la poche de mon pardessus, je tenais serré entre mes doigts cette espèce de cigare amorcé aux deux bouts que m'avait remis Sherlock Holmes. Les réverbères venaient d'être allumés et je constatais que les alentours n'étaient pas aussi déserts que je l'aurais cru dans un quartier si calme d'habitude. À un angle, il y avait un groupe de pauvres hères qui riaient et fumaient. Plus près, je vis un rémouleur, ce devait être Bobby, puis 2 horse guards qui flirtaient avec une nourrice. Enfin, plusieurs jeunes gens, bien vêtus, cigares aux lèvres, flânaient sur le trottoir. Un pasteur s'avança vers moi. C'était Sherlock Holmes. Vous êtes exact, bravo. Attention, voici le landau d'Irène Adler qui s'approche. C'était un très joli landau. Au moment où il s'arrêta, l'un des pauvres hères se précipita pour ouvrir la portière dans l'espoir de recevoir un penny. Mais un second accourut et l'écarta brutalement. Le premier bondit et frappa. Alors les autres intervinrent et une bagarre s'ensuivit. La dame qui est descendue de voiture se trouve maintenant au centre de la mêlée, mais voici qu'un pasteur s'approche, on l'entend dire « Allons, mes enfants du calme !» Il veut séparer les combattants pour libérer la dame, mais il reçoit un coup de poing. Les 2 horse guards accourent, ainsi que les jeunes gens pour le secourir. D'autres marlots surviennent, la bagarre devient générale. Encore frappé au visage, mais cette fois avec une révoltante brutalité, le pasteur s'écroule, vomissant un peu de sang. Alors, affolés, les mauvais garçons prennent la fuite. Et l'on s'empresse autour du pasteur, tandis qu'Irène Adler, sur le pas de sa porte, regarde la scène avec horreur. Mais est-il gravement blessé? Il est mort? Mais non, il vit encore. Mais dans quel état il est? En tout cas, madame, c'est votre sac qui voulait prendre, ces voyous. Si le pasteur n'était pas survenu... Bon, on va quand même pas le laisser comme ça dans la rue, non? Est-ce qu'on peut le transporter chez vous, madame? Mais naturellement, portez-le dans le salon et couchez-le sur le canapé. Doucement, prends-le doucement. Le corps du pasteur fut transporté dans le salon d'Irène Adler. De mon poste, près d'une fenêtre, j'observais ce qui se passait à l'intérieur. Les lampes avaient été allumées et je voyais parfaitement Sherlock Holmes étendu sur le canapé. Un filet de sang lui coulait le long de la bouche et une femme de chambre qui avait apporté une cuvette lui lavait le visage. Au fond de la pièce, Irène les regardait très émue. Sherlock Holmes se dressa alors, appuyé sur un coude et sourit. Il allait mieux. Il mit un pied à terre, mais soudain on vit nettement qu'il manquait d'air, qu'il étouffait. Aussitôt, Irène ordonna qu'on ouvrit une des fenêtres, celle qui était la plus proche de moi. Le pasteur s'assit et remercia, se sentant maintenant en état de marcher. C'est à ce moment-là qu'il leva la main. À ce signe, je jetai la bombe dans le salon et je criai « Au feu !» Et tous les badauds qui stationnaient devant la maison crièrent aussi. Des nuages d'une fumée épaisse moutonnèrent dans le salon avant de s'échapper par la fenêtre ouverte. Je n'attendis pas davantage et courus au bord de l'avenue, où je fus rejoint par Sherlock Holmes. Bravo, Watson. Vous avez fait du bon travail. Et vous, vous avez la photographie? Non, mais je sais où elle est. Elle me l'a montrée. Comprends pas. C'est pourtant simple. Naturellement, vous avez deviné que tous ces gens qui flânaient dans la rue étaient mes complices. Ça oui. Je les avais loués pour la soirée. Quand se déclencha la bagarre... J'avais aspiré d'une petite bouteille une gorgée de sang de bœuf que j'ai laissé s'échapper doucement de mes lèvres quand je me suis effondré et soi-disant très gravement blessé. Oui, mais ça aussi, je l'avais compris. On me transporte chez la belle Irène, je réclame un peu d'air, on ouvre la fenêtre et vous jetez votre bombe fumigène. Tout le monde croit qu'il y a le feu. Alors, que fait une femme quand il y a le feu chez elle? D'instinct, elle saisit ce qui pour elle représente le plus de valeur. Comme je l'avais prévu, c'est sur la fameuse photographie qu'Irène a bondi. Elle l'a sorti de derrière un panneau à glissière, à droite de la cheminée, et quand je lui criais que c'était une fausse alerte et qu'il devait s'agir d'une mauvaise blague des voyous qui étaient revenus, elle a vivement remis la photo dans sa cachette. Et moi, après beaucoup d'excuses, je suis sorti de la maison. Mais pourquoi n'avez-vous pas repris la photo quand vous l'avez vue? Ah, le cocker et la femme de chambre étaient là. Mais tranquillisez-vous, dès demain matin, je serai chez elle et je la lui reprendrai sous ses propres yeux.
Le lendemain matin, je fus réveillé par un gentleman à forte moustache de boyard, portant un pardessus garni de brandebourg et d'astrakhan. Docteur Watson ? Hein ? Quoi ? Mais qui êtes-vous ? Mais c'est moi, Sherlock. Oh, le corps, et vous finissez de vous déguiser. C'est agaçant à la fin. Je pense que c'est la dernière fois, mon cher, tout au moins en l'honneur d'Irène Adler. Tel que vous me voyez, je suis le secrétaire intime de Sa Majesté le Roi de Bohème. Et je vais de ce pas réclamer à cette ravissante femme la photographie de mon maître. Et si elle ne vous la donne pas ? Je la prends. Et là-dessus, il claqua les talons à l'allemande et s'en fut. Il revint à midi et me raconta que dès le matin, en me quittant, il était allé voir la reine-mère à son hôtel pour la tenir au courant des événements et lui demander un billet attestant de la personnalité du messager afin qu'Irène Adler sût qu'au cas où elle rendrait la photographie, celle-ci serait bien remise au roi. Puis, vers 10 heures, il alla sonner à la porte de son hôtel particulier. Bonjour. Je voudrais parler à Mademoiselle Adler. De la part de qui ? Ludwig von Kammerstadt, secrétaire particulier de Sa Majesté le Roi de Bohème. Par ici. Après 10 minutes d'attente dans le salon, le visiteur vit entrer la maîtresse de maison en vaporeux déshabillé rose. Mes hommages, mademoiselle. Asseyez-vous, monsieur. Je vous écoute. Merci. Vous vous doutez certainement, mademoiselle, du but de ma visite. Je viens vous demander une dernière fois de rendre au roi de Bohême la photographie qu'il vous a maintes fois réclamée. Je suis navrée, monsieur, mais elle n'est plus en ma possession. La lui auriez-vous renvoyée ? Non, non, vous pensez bien que non. Je l'ai déchirée, tout simplement. Et ça me fut très cruel, car j'ai beaucoup aimé le roi. Je suis au désespoir de vous contredire, mais je ne crois pas que vous l'ayez déchiré. Je suis une menteuse ? Si une telle pensée m'effleure, veuillez me la pardonner. On n'est pas plus insolent. Rendez-nous cette photographie, mademoiselle, et le roi se souviendra toujours de vous avec reconnaissance. Ainsi, vous êtes certain que je l'ai encore ? Oui, mademoiselle. Seriez-vous très intelligent, monsieur von Kammerstadt ? Je le suis. Mademoiselle. Vous avez une excellente opinion de vous. Oh oui, mademoiselle. Et vous vous croyez très fort. Très. Alors dans ce cas, après tant de cambrioleurs qui ont échoué, vous devriez découvrir l'endroit où je l'ai caché, cette photo. Pour moi, ce sera un jeu d'enfant. Vraiment ? Eh bien mon cher, je vous fais une discrétion. Si vous la trouvez, elle est à vous. Tout de bon ? Tout de bon. Pari tenu. Oh, mais dites-moi, vous vous prenez pour Sherlock Holmes ? Mon Dieu, pourquoi pas ? Alors cherchez. Allons-y. Auriez-vous l'amabilité de me laisser passer, mademoiselle ? Je voudrais aller là, à droite de la cheminée. Mais vous m'avez dit chercher. Or, c'est là précisément que je désire chercher. Le long de ce mur, mais il n'y a rien. Si, madame. Ce panneau glisse sur lui-même. Tenez, comme ceci. Mais... Voici la cachette. Et... Voici la photo. Oh non, non, vous ne l'aurez pas. Ah, donnez-moi cette photo, mademoiselle, vous me l'avez promise. C'est que... Je l'avais réservée à quelqu'un d'autre. À qui ? Oh, puis après tout, le nom est sur l'enveloppe, tenez, vous pouvez lire. Pour Monsieur Sherlock Holmes... qui passera prendre. Quoi ? Mais je... Alors, monsieur Sherlock Holmes, riez, vous aussi. Avouez que je vous ai bien fait marcher. Puis enlevez-moi cette moustache et vous ressemblerez tout à fait au pasteur d'hier soir. Oh, ça alors. Mais pour qui me preniez-vous donc, monsieur Holmes ? Pour la dernière des cruches ? Non, figurez-vous que moi aussi j'ai ma petite police. On m'avait informé que si le roi faisait appel à un détective, ce serait certainement à vous.
Or, la reine-mère est arrivée à Londres avant-hier, à une date si proche des fiançailles officielles de son cher fils, que je n'ai pas douté un instant que ce ne fût pour tenter une dernière fois de récupérer cette photographie. J'attendais donc que vous vous manifestiez. Mais, je l'avoue, le coup du pasteur blessé, j'ai marché à fond. Seulement, vous avez été un peu fort. La bombe fumigène manquait de discrétion. N'empêche que vous avez sauté sur la photo croyant qu'il y avait le feu. Oui, mais c'est tout de même ce feu sans flamme qui m'a éclairé et je savais très bien que vous reviendriez. C'est alors que je me suis amusée un peu à vos dépens. Car je vais vous le dire, je n'ai plus aucun sentiment pour le roi de Bohême, ni amour ni haine. Et je lui restitue cette photo avec la plus parfaite indifférence. Car j'ai pu apprécier un autre homme de haute valeur, celui-là. Tendre et bon. Avec qui je serais très heureuse. Et nous nous adorons à un tel point, Monsieur Holmes. Que vous vous êtes marié hier matin à l'église Sainte-Monique. Mais comment l'avez-vous su ? Le rémouleur qui vous a servi de témoin est un de mes plus vieux camarades. Et c'est ainsi, mes chers amis, que Sherlock Holmes rentra en possession de la photographie qui tenait tant à cœur au roi de Bohême. En fait, ce n'était pas une victoire, car si elle avait voulu la garder, Irène Adler aurait eu largement le temps de lui trouver une autre cachette. Il lutte uniquement par le bon vouloir de la belle cantatrice qui fut, à ma connaissance, la seule femme à lui bien jouer la comédie et à le rendre un peu ridicule. Et peut-être est-ce pour cela précisément que Sherlock Holmes ne parle plus d'Irène Adler qu'avec respect et admiration. Les hommes, que voulez-vous ? Hein ? Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « Un scandale en Bohême », d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec Maurice Tenac, Sherlock Holmes, Pierre Mondy, Dr. Watson, et André de Chauvron, sociétaire de la Comédie-Française, Jean-Louis